avec un temps en espérance et en français, se répondant au 75 sur les faits de la foi et la partie populaire de l'Union protestante.
as they do in South Florida. Fogo de pé amanhã tem mistério, não esqueci. Ok. Deixa eu falar, ele é Senhor, por donner la leitura bíblica, por você ter lá ses voces. E está em commandement que Dieu te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle augmenta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Quand elle me serait, elle me fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épas de farine et une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Shiloh. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton avis, mon Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se présentèrent là, au Seigneur, là, devant l'Éternel. Et le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable à l'Éternel que nous sommes. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange, avant qu'il le fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu son salut. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole. Pour votre édification, à salut et au bonheur parental. Amen. Chers parents, l'Église, je vous demande de bien vouloir suivre, mes chers amis. Ce qui est le plus important, c'est ce que j'ai fait. Et alors, vous avez pensé. Merci. Mes chers parents, l'Église vous accueille avec vos enfants et vous présente les plus vives félicitations. Que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous soit en aide. Amen. L'occasion qui nous réunit ce matin dans cette maison de prière est une sainte et joyeuse occasion. Comme Anne et Marie, vous venez dans ce sanctuaire avec vos enfants pour implorer la bénédiction de Dieu sur eux. Vous avez entendu la voix du Seigneur disant, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez point, car le royaume des cieux est pour eux et pour ceux qui leur ressemblent. » Et vous lui avez obéi.
Il est heureux, mes frères et mes sœurs, dans l'espérance que vous ayez réalisé la nécessité de présenter vos enfants à Dieu à l'aube de leur vie, à un moment où vos cœurs sont encore tout gonflés de la joie que vous procurez à leur naissance. Je vous rappelle que les enfants sont la récompense des parents et la couronne des grands-parents. Le mystère de cette nouvelle vie vous porte à tourner vos regards vers Dieu, le Maître et le Créateur de toutes choses. Le but de ce service est de vous aider à réaliser qu'un devoir sérieux vous incombe, celui d'élever vos enfants dans la crainte du nom de Dieu. Dieu a un but pour la vie de chacun de ses enfants. Découvrir ce but et l'atteindre signifieront pour chacun d'eux le bonheur, mais l'ignorer signifiera pour eux la ruine à quelque hauteur qu'ils puissent s'élever dans la société. C'est votre devoir de guider ces enfants dans la voie de l'obéissance à la volonté de Dieu. Que sous votre influence, ils ouvrent leur cœur à la volonté de Christ dès leur tendre âge. Maintenant, chers parents, je vous invite à répondre aux questions suivantes positivement en disant « Oui, pasteur, par la grâce de Dieu ». Chers parents, présentez-vous ces enfants à Dieu pour qu'ils lui appartiennent. Présentez-vous, promettez-vous de les élever dans la santé du corps, dans la droiture du caractère et dans la lumière de la foi en Jésus-Christ. Êtes-vous décidé à vous consacrer vous-même en tant que parent afin d'offrir l'exemple d'une vie pieuse et conforme à la volonté de Dieu? Et puisque vous avez pris l'engagement devant Dieu et devant cette assemblée de vous consacrer à la sainte et noble tâche d'élever vos enfants, prions le Seigneur. Nous exprimons notre gratitude au Père très bon et tout bon pour tout tes dons, Seigneur éternel. Sans ton aide, nous ne pouvons rien. Nous te remercions de façon spéciale pour ces enfants. Ils attendent tout de nous et nous connaissons nos limitations. Accorde-leur les bénédictions les plus riches et sans nombre et permet qu'ils croissent devant toi et devant les hommes en sagesse, en stature et en grâce. Sois avec leurs parents, aide-les à avoir une vie en ce sens consacrée à Christ. Que ces enfants puissent apprendre dès leur plus tendre âge à reconnaître et à l'aimer. Nous te prions pour tous les couples qui attendent que tu les bénisses de cette manière. Sois leur aide et environne-les de ta grâce miséricordieuse et merveilleuse. Maintenant, que ta paix repose sur nous tous et aide-nous, parents, église et société, à contribuer à l'édification d'un monde de paix où tous les enfants pourront vivre en santé et heureux et où le doux nom de Jésus-Christ sera glorifié, exalté et célébré. Fais-le pour nous, Père, au nom de notre Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse vivre sur toi et te donne